a fait que son comportement change. Je viens restaurer, même si c'est toi-même qui as attaqué. On passe par toi, la femme. On passe par toi. On fait, tu donnes des paroles négatives à l'homme-là. Ça le décourage. Ça le décourage. Je restaure vos mariages au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire que la vision que tu as eue, ce que tu as vu, parfois tu rencontres un homme, tu dis que je sais que c'est toi. 6 mois plus tard, tu le détestes. La vision que tu as vue au départ, je parle à tes os, je parle à ta chair, je parle à toute partie de ton corps, même si c'est une malédiction familiale qui est en train de revenir, de surgir pour gâter ton foyer, je te restaure, je te libère, je détruis tout esprit négatif, tout esprit contraire à ce que le Seigneur a dit dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un problème quand je dis Jésus-Christ, qui quitte mon direct, je vous en prie. Je vous en prie. Ok. Je dis ceci par la puissance du Saint-Esprit. Je commande à toute entité qui s'est assise dans votre maison. Toute personne qui de temps... Donc, graduellement, ils sont venus. Donc, c'est comme si, tes pensées sont rongées progressivement. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais j'étais positive il y a 2 jours. Depuis 3 jours, tu veux seulement dormir. Tu es fatigué. Tu n'oses pas ouvrir la bouche pour parler. Je déallouse sur toi. Je détache ta langue au nom de Jésus. Allez, mets la main sur la gorge, c'est là. Je détache ta langue. Je détache ta langue. Je détache ta langue au nom de Jésus. Je détache ta langue. Je te fais les nœuds sur ton corps. Il y en a ici là depuis 2 jours, vous bataillez sérieusement. Tu ressens ta chair te fait mal. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Je dis que tu as vaincu. Ils ne savent pas combien sont avec vous. Ils ne savent pas combien sont avec vous. Quand Jésus est arrivé, on est venu le chercher au mont des Oliviers. Ses adversaires viennent. Ils disent, qui est Jésus? Jésus ouvre la bouche. Il dit, I am he, c'est moi. La Bible dit en Jean, chapitre 15 ou 16, ils sont tombés au sol. They fell on the ground. Je déclare par cette parole qui sort de ma bouche que tout ennemi qui est encore debout dans ta maison, si c'est une belle-mère qui est venue s'installer, elle ne va pas partir. Une belle-sœur, toute personne qui commande ton foyer, j'appelle la foudre. Que cette foudre détruise les hôtels qu'ils ont construits, les réunions familiales qui font la nuit à minuit pour parler de mal de toi. Au nom puissant de Jésus, je détruis, je détruis, je détruis. Parfois, tu reçois quelqu'un chez toi pour l'aider. Ça devient ton fardeau. J'expose les ménagères sorcières, les sœurs sorcières, les tantes sorcières, je les expose, et je détruis que la foudre du Saint-Esprit les frappe. Vous voyez qu'il pleut dans beaucoup de pays, il pleut depuis 2-3 jours. Que la foudre les frappe. Est-ce qu'ils savent qui tu es? Tu reçois ton neveu chez toi. Ton neveu te combat. Il est malade. Tu le nourris, tu le loges. Tu payes son école. Il se lève contre toi. Tout sorcier, sorcier déguisé qui est dans ta maison, peu importe ce qu'ils ont déposé, ils ont creusé, ils ont déposé, même dans le bas de ton lit. Regardez les bas de vos lits ce soir. Je brûle. Je détruis, j'anéantis. L'ange m'a fait en train de visiter vos maisons à cet instant. On me montre que cette personne aussi a été envoyée pour mettre une mauvaise semence dans vos enfants. Toute mère, tout père qui s'accorde avec moi, toute personne qui est venue vivre à côté de vos enfants, en votre présence ou en votre absence, ils ont manipulé l'esprit de vos enfants. Maintenant, l'enfant est têtu. Maintenant, tu parles, l'enfant n'écoute plus. Comme toi et moi, on s'accorde maintenant, cria baboshi karabakosande le brokoska. Ikonduru koskali à la kaskali à deboske le kasa. Les rouskeri à ta de keri boski de avocha. Les brouskembi à l'ouf sakata rabakason trouchki le basso. Matthieu chapitre 18, verset 18 et 19. Aucun de vos enfants ne sera perdu. Aucun enfant que tu as adopté, que tu as porté dans ton ventre, ne sera perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelez le nom de ces enfants-là. Tout
tout labyrinthe, on les a déposés, l'enfant est perdu. Tu ne comprends pas, tu parles, on se demande quand l'enfant était tu. Tu dis, mais j'ai laissé l'enfant, si ça fait 6 mois, il parlait bien, non. Il était bien, non. Appelez le nom. J'envoie mes anges, appelez les noms de vos enfants. On récupère. Pourquoi qu'on porte pour vous? Aucun de vos enfants ne va se détourner. Déclare Israël, ils sont petits. Déclare, ils sont petits. Ils sont petits. They be small. Ils sont petits. Ils sont petits. Ils sont petits. I shrink any power of the enemy. Je rétrécis tout pouvoir de l'ennemi. J'écrase, j'anéantis. Le psaume 91, il dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique, sur le dragon et sur le serpent. Tous serpents dans votre vie, je les expose, je les détruis. Quand tu écoutes cette parole, je détruis la semence qui sont mis dans ton esprit. Depuis là, tu essaies de penser, tu ça ne va pas. Tu vas devenir folle. Ils sont petits. Makariba kosoko toriba shantariba so. Le kotorobo son toriya da koseka taraba kosa. Marababa bashika tedede bosika. On ne peut pas te contenir. They cannot tame you. On ne peut pas t'attacher. On ne peut pas te contenir. On ne peut pas t'attacher. On ne peut pas te mettre dans une boîte, on te ferme. On ne peut pas. Toute boîte, tout plafond, tout cercle dans lequel on t'a déposé. Tu as l'impression que tu atteins toujours un plafond. Tu redescends. Toute bataille de pensée que tu es en train de combattre ces derniers jours. Je libère ta voix. Je te sors de cette bataille de pensée. Je te donne la victoire. Je te donne la victoire. Je te donne la victoire. Que ta voix parle. Que ta bouche sorte pour parler. Je te donne la victoire. Je parle à ton corps. Toute maladie qu'on a lancée sur toi, depuis 2-3 jours, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Depuis 2-3 jours, Kariba Bokosu Karabakatabiela Bakoso, Lebra Katoroboshi Katalabakase, Mandele Bokoso Koto, tout démon dans ton corps, tout démon dans ton corps, quand tu m'écoutes, je commande qu'il sorte à cet instant. Vous allez allumer une bougie dans votre maison. Si tu as 5 pièces, tu cherches 5 bougies de 100 francs, tu mets dans les pièces. Surtout dans la chambre où tu dors. Tu entoures les bougies de sel. Tu lis le psaume 35. Tu peux lire le psaume 35 sur toutes les bougies. Après, tu peux mettre une à une dans chaque pièce. Comme tu feras ça tout à l'heure, je commande à tout démon dans ta maison qu'il soit enterré, qu'il soit déposé, qu'il soit au plafond. Par cette lumière que tu vas déposer dans ta maison, je commande qu'il sorte à cet instant. Je guéris ta chair. Je parle la vie à tes os. Je commande à toute entité dans ton corps, sur ta poitrine ici là, qui te donne des cauchemars. Je te commande que tu sortes de là. Sors de ce corps au nom de Jésus. Toute glaire, toute toux. Mets la main sur la poitrine. Je guéris ta poitrine à cet instant. Je te guéris. Je guéris ta gorge. Je te guéris. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Quels que soient les mauvais sorts qui sont jetés sur la ville où tu te trouves. Selon Ésaïe 60, la Bible dit que les ténèbres se lèvent sur la terre. Mais sur toi, déclare sur moi. Allez, sur moi la lumière de Dieu se lève. Contournez votre maison avec le sel. Si vous êtes en appartement, vous mettez le sel dans les coins de tous les coins de votre maison. Si tu vis en appartement. Si tu as une maison, que c'est ta maison là, genre, ok. Tu prends, tu contournes la maison avec le sel. Sur lequel tu as lu le psaume 35. Je vends le sel. Ceux qui ne peuvent pas acheter chez moi, il n'y a pas de souci. Tu peux acheter ton sel, tu viens, tu déposes, je bénis. Je crois que demain, avant de partir, je vais bénir les sacs de sel. Je vais déposer. Comme ça, vous pouvez venir acheter. Je vais mettre un prix forfaitaire. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de trucs à faire dans vos maisons. Le sel, le sel, le sel, le sel, le sel, le sel. Le sel, le sel, le sel.
Dans le spirituel, on se connaît. Dans le spirituel, on se connaît. Il y a force et force. Il y a appel et appel. Tu peux avoir ta force. Ma part vient s'ajouter sur ta part. La Bible dit, une personne met à tête 1000. Deux personnes mettent à tête 10 000. Mais c'est que vous êtes très orgueilleux. Et chiche. Ça ne me dérange pas. Écoutez, vous faites seulement, c'est votre problème. Donc je continue. Il y a des entités qui sont dans des villes et qui oppriment les gens en groupe. Il y a des entités familiales, des entités de vie de, par village. Il y a des entités qui opèrent dans les villes. Ce qui fait que tu avais un certain rythme de vie dans une ville, un pays. Quand tu arrives dans un autre pays, ton mode de vie change. Parfois, tu quittes de l'Afrique, tu vivais bien. Tu arrives en Europe, on dit que tu ne peux plus opérer, tu deviens un nettoyeur là-bas, un cleaner. Tu deviens un nettoyeur, tu ne perds ton temps à nettoyer. Parce que les entités qui dominent dans la ville où tu es parti ont prévalu, ont dominé sur toi. Et tu ne sais pas. Là, l'explication qu'on t'a dit, logique. Oh, vous n'avez pas encore le titre de séjour. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas accéder à votre demande maintenant. Tu laisses ton duplex, tu pas dormi, couché dans une chambre avec 5 personnes. Hein? Et tu trouves ça normal? Tu trouves que c'est normal? Tu sais, quand tu demandes le Ngunda, tu dois d'abord rester même 1 an, 2 ans. Voilà comment vous dominez. Voilà comment vous partez, vous laissez assujettir. Ça a parlé à qui ça a parlé? Tu as tenté d'accepter ton esclavage depuis. C'est ton problème. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière. J'ai dit quoi? Je déclare la lumière sur tes papiers. Tout statut que tu avais, qui était élevé, que tu as perdu, quelle que soit l'excuse ou la raison que tu te donnes, j'inverse premièrement dans ta tête que tu n'acceptes plus. Deuxièmement, je commande à au blocage de papier, blocage de mariage, peu importe la raison pour laquelle tu as baissé. Je te commande de te lever de ce lit, de te lever de ce trou et de t'élever. Tu n'as plus le droit de chuter. Tu n'as plus le droit de tomber. Tu n'as plus le droit de rétrograder. Tu sais pas, tu peux quitter en Afrique, tu arrives en France, tu es cadre. Tu sais pas, tu peux quitter en Afrique, tu arrives en France, tu es tout frais payé. Hein? Si tu as un sel que j'ai touché avec ma main, tu mets dans ta maison. Dans le spirituel, on se connaît. Dans le spirituel, on se connaît. Si ma main a touché, tous les trucs que je vends, j'ai mis ma main sur ça. Voilà. Un jour, Dieu m'a montré, j'ai eu une sorte de révélation, genre, ok. Si tu achètes quelque chose que j'ai béni, qui sort de chez moi, même si tu donnes à la sœur de ton frère, dans le spirituel, ça porte mon identité. Dans la maison dans laquelle on va mettre, dans le spirituel, ils vont me chercher. C'est parce que le physique est tellement... Imaginez, si on peut mettre une puce sur quelqu'un pour tracer quelque chose. Combien de fois dans le spirituel? Donc vous êtes tellement simpleton là. Je vous sors de tout trou dans lequel on vous a déposé. Je vous sors de tout trou dans lequel vous-même vous êtes parti vous déposer. Tout argent que vous attendez depuis. Oh, tu es déçu de mon Dieu. Tu es déçu de mon Dieu. Le Dieu de qui? De moi? Pardon.
Pardon, excuse ma vie. Je te bloque d'abord. Tu as prié, maintenant tu es déçu de mon Dieu. C'est ton problème là-bas, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas le même Dieu que je sais. Je suis déçu. Tu vends, tu ne vois rien, c'est ton problème, mamie. Tu veux qu'elle dise que quoi? Asseyez-vous, vous travaillez sur vous. Asseyez-vous, vous priez. Asseyez-vous, faites les jeûnes. On jeûne les mercredis. On va jeûner bientôt. Bon, je continue mes prières. Je sais que si je prends la partie des plaintes, vous allez... J'ai dit que prenez le sel, vous faites comme ça. La personne ne va faire. Vous allez... Continuez. Et dans les armées, que les esprits souffrent. Pour ceux qui veulent rester, c'est un peu temps. Restez, c'est un peu temps. J'ai compris qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Je ne laisserai pas mon bateau pour entrer dans l'eau pour te sauver. Puisque je t'ai donné le bateau, je t'ai donné la corde, je t'ai donné la boîte de sauvetage, tu ne veux pas. Non, je veux ta main. Viens dans l'eau, tu me portes. Mais vous êtes fous. Moi-même, j'ai mes combats. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas de combat? Non, non. J'ai mes combats. Et je suis les armes que je vous ai données. Si vous ne voulez pas, ne faites pas, ne vous en faites pas, ok? Votre truc que vous attendez, tu dis que aide-moi! Aide-moi! Je te bloque? Allez faire ça aux gens qui ont besoin des fans ou des gens qui vont les idolâtrer. Je ne suis pas dedans. Ok, ce que je devais passer comme message est passé. Je viens sceller tout ce que vous avez reçu ici par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez reçu, tout ce que le Seigneur vous a donné, que vous avez reçu pendant que je priais, je viens cimenter ça dans votre vie de bon. Tout ce qui est mauvais qui est sorti de votre corps, de votre esprit, de votre énergie, quand je priais, je ferme par la porte par laquelle ces esprits sont sortis. Je déclare qu'ils n'ont plus le droit de revenir dans ta vie. Et je ferme aussi la porte par laquelle ils sont entrés dans toi. Toute collaboration, toute personne avec laquelle tu traites, qui est la source de ton blocage, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Que soit l'ouverture de tes yeux. Oui. Oui. Le kit coûte 70 000 en montant, ma chérie. Le numéro de téléphone est dans ma bio. 237 6 93 50 22 66. Quand vous demandez un produit ou un service, soyez patient. Ceux qui écrivent, vous pouvez demander à me parler si vous doutez de l'authenticité de la personne qui vous écrit. Mes secrétaires vont me dire, je vais vous appeler. Et quand vous appelle, voyez si ma tête bougeait. Parce qu'on m'a dit qu'on prend les vidéos, on met devant la caméra, vous regardez. Vous êtes bête comment? Quelqu'un, un arnaqueur prend une vidéo, il colle sur la caméra comme ça là. Tu es là, tu parles avec la personne, elle dit que j'étais vu. Donc, si vous êtes bête, si la bêtise arrive d'un paroxysme dans votre corps, c'est votre problème. Mon côté, non. Je suis pas mal sur ça. Voilà. Donc, soyez bénis. Passez une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée. Ne vous découragez pas parce que l'ennemi est en train de frapper. Vous savez que les fins de mois sont toujours très compliquées. Les fins de mois, il y a les secousses. Les fins de mois sont très, très, très mouvementées. Et nous sommes en train de sortir du septième mois. Le septième mois. Donc, il y a Quantum Leap qu'on prépare. Ça sera le 8 août. Combien de temps là? On va passer une heure de temps environ à créer. Ceux qui étaient dans Quantum Libre le mois passé, ça, le mois si, du juillet, si, ils savent ce qu'ils ont reçu. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont commencé à manifester. Ils savent. La dernière fois dans le Quantum, ils étaient tellement forts que. Mais c'est comme si on planait, même. C'est comme si on a fait des projections astrales. C'était tellement puissant. Bon, sachez que ce ne sont que les bonnes personnes qui peuvent se présenter. Si quelqu'un, si ce n'est pas pour quelqu'un, il ne viendra même pas. Même si tu penses à ça, tu vas oublier. Le moment de faire ça, de payer, tu vas oublier. Le spirituel est le spirit. Le spirit. Il n'y a pas d'erreur dans le spirituel. Il n'y a pas d'erreur dans le spirituel. Tout est mesuré. Everything is on point. La boutique de Louis est ouverte. Tu veux maintenant me demander comment? Je ne comprends pas. Je viendrai au Canada quand? Vous allez venir me trouver ici là, pardon. Vous devez comprendre que quand vous avez commencé votre travail spirituel, ok, ceux qui tombent jamais sur ma page et qui aiment ce que je fais, qui me waouh, c'est parce que tu as déjà commencé une quête depuis un an, deux ans, cinq ans. Peut-être vous êtes tombé dans beaucoup d'églises, on vous a menacé, coudou, 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 coudou. Dis que ouais, papa God,
tu tombes sur ce que j'explique. Tu te dis, oh my goodness. C'est comme si la lumière, je t'aide à ouvrir ce qui était déjà en toi. Je t'aide à comprendre ce qui était déjà en toi. Et quand tu commences à t'ouvrir, à t'éveiller, tu commences à manifester. Et quand tu commences à manifester, crois-moi, hein, les milliards, il y en a parmi vous, vous serez milliardaires en dollars. Je sais que pour vous, là, oh my goodness, comment vous entraînez les bases, les fondations. Et quand tu m'écoutais au départ, il y a des choses que tu as accélérées en 6 mois. Quand tu regardes derrière, tu te dis, waouh, ma maison que j'avais commencé à construire depuis 4, 5, 6 mois, j'ai laissé. Voilà ça que j'ai fini la maison en 1 mois. Oh, mon visa que je voulais. Il y a une là, elle est arrivée au Canada en février. Non, elle est arrivée au Canada en décembre. Un truc comme ça. Elle a commencé la procédure de ton mari en février. On est en juillet. Il est au Canada. Elle même dit que quand elle disait ça à son mari, il ne croyait pas. Il se demandait par quel moyen. Là, maintenant, avec ses enfants. Maximum janvier ou février, ses enfants sont là. Il y a des choses que vous accomplissez, vous ne comprenez pas. Mais ta foi doit te porter. Sachez que les ténèbres sont au courant de vous. Ils sont passés par vos tentes pour vous bloquer. Ils sont passés par des portes pour vous bloquer. Mais vous n'abandonnerez pas. Le jour où j'ai compris que le diable me connaît. J'ai un pays où le diable vous connaît. Je suis qui? Je suis la fille de Majo. Je suis la fille de maman Martha. Je connais qui? Moi, grandi dans Tungan, dans la pauvreté que j'ai grandi là. Si on m'avait dit un jour que le diable veut me connaître, faut voir comment il m'a bloqué dans le passé. Je veux que vous arriviez à la connaissance complète et parfaite de qui vous êtes. Que tu comprennes que le jour où tu es né, le ciel a bougé. Le jour où tu as accouché, le ciel a tremblé. Je viens contre toute destinée qui a été attaquée. Tout ce que l'ennemi a attaqué dans ta destinée, je te restaure. Que tu aies la vision de qui tu es. Que tu saches qui tu es. Ma prière, que ce que le Seigneur te dépose en rêve, en vision, quelqu'un vient même dans la rue, il te parle. Et cette fois, ton cœur reçoit. Quand l'ange est venu parler à Marie, mon âme exalte le Seigneur. Qui me sort. On prend, quand on va dans le royaume des ténèbres, on prend ce. Je dis, aujourd'hui, vous entrez dans le royaume des ténèbres. D'ailleurs, ils vont venir vous verser ça aujourd'hui dans le rêve. Prends ton argent. Prends. Reçois ton argent. Reçois. Reçois tes jumeaux. J'ai enregistré ceci, j'ai mis sur TikTok. Donc, allez regarder ça sur TikTok tout à l'heure. Parce que Facebook dérange énormément. Allez regarder sur TikTok tout à l'heure. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Peu importe là où vous trouvez ma vidéo. 237-693-50-22-66. Tout ce que l'ennemi a mis dans votre ventre pour vous bloquer, j'enlève, je vous débloque. Tout ce que l'ennemi a mis pour vous bloquer, pour voiler votre visage, que vous ne voyez pas qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, j'enlève les mauvaises compagnies de votre esprit, de votre entourage. J'enlève toute maison où tu es et on t'endort. Tu dors dans cette maison-là. On endort ton esprit. Je te sors de cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Tu déménages. Ainsi soit-il. Yolande, je te bénis. Je te bénis, je te restaure ce qui t'a été volé. Tout ce qu'on vous a volé, je vous le restaure. Je mets le bonheur, la paix dans ton cœur. La marchandise que tu vends depuis des semaines, personne n'achète là. On achète ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils vous connaissent même? Est-ce que tu sais même qui tu es? Ah! Je te sors de là où on t'a bloqué. Personne ne peut t'arrêter. Ils sont petits. Ils sont petits. Est-ce qu'ils savent même qui tu es? Est-ce qu'ils savent qui t'a appelé? Est-ce qu'ils savent ce que tu as appelé à faire? Parce que tu es là, tu pleures. Oh, tu es quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu sais qui tu es? Tu connais ton pouvoir de frappe? Tu connais ton pouvoir de frappe? Lève-toi, enlève un peu la saleté là sur toi. Habille-toi bien, demain tu sors, tu repars encore pour prospecter, tu vas voir. Ton projet entrepreneurial que tu as commencé,
Les réunions des femmes, où elles vont venir, elles seront restaurées. Tu as annulé pourquoi? Tu as annulé pourquoi? On est des soldats, s'il vous plaît. Un soldat s'arrête, il se repose, on le guérit. Il se lève. Que cette nuit, on opère sur vous. Que cette nuit, on vous guérisse. Les douleurs de cœur, les attaques que vous avez reçues. Tu pleures tout le temps et puis quoi? J'appartiens à Jésus, elle pleure tout le temps. Mof. Je vous libère de tout endroit où vous a déposé. La faiblesse mentale. Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont acheter? Qui va acheter? Reçois les clients. Reçois les clients. La Bible dit que le royaume des cieux souffre. Et ce sont les violents qui prennent. Je déclare que ton esprit est boosté ce soir. Je relance ton cœur. Je relance ton cœur. J'ai des gens qui sont contents quand tu pleures. Quand j'ai perdu mon enfant l'année passée, je pleurais. Un jour, Dieu vient à travers un ami, il me dit, arrête de pleurer. Le jour là, quand j'ai décidé que je ne pleure plus jamais pour l'enfant-ci, c'était bon. Arrête de pleurer. Comme j'ai parlé comme ça et que tu as dit amen, ton âme est en train de se lever. Tu vas entendre, d'ici minuit, tu verras. D'ici minuit, tu auras les nouvelles. Ils sont en train de tomber, un à un. La Bible dit, quand Jésus a envoyé ses soldats, il dit que quand vous étiez partis, quand vous étiez en route en train de marcher, j'ai vu Satan tomber de son royaume. Tomber. Je vous envoie. Je vous envoie. Tu es orphelin de père et mère, quoi. M'offre là-bas. C'est tout pour nous les orphelins. Je suis sûr que tu as 35 ans. À ton âge, tu es censé t'occuper de tes parents. Orphelin de terre et de mer. Sors de mon direct, hein. T'es bloqué. Les esprits faibles, là, ne passez pas dans mes vidéos. Ce qui est venu fouetter la nuit dans votre rêve. Tu es faible que quoi? Qui va te soulever? Jésus te dit que je t'ai déjà donné. J'ai déjà tout fait à la croix. Lève-toi. Prends courage. On ne pleure pas ici. On jeûne après-demain. Organise-toi. Voilà. Je fortifie vos cœurs. Je fortifie vos cœurs. Je fortifie vos cœurs. Les gens vont s'étonner comment tu arrives à faire tout ça seul. Comment il arrive? La puissance que tu as reçue ce soir, c'est une autre dimension de power. Comment il y arrive? Ce n'est même pas toi, tu n'es qu'un canal, tu es un vaisseau. Est-ce qu'ils savent même qui tu es? Karabashi, karamasoto roboshike nando sikate, ebroko soko robosikate, lebroko torobo sante. Ma fille, tu n'auras pas honte. Ma fille, tu n'auras pas honte. You will not be dismissed. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Ils ont prévu ça pour te faire du mal. Mais Dieu l'a transformé. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer là. Il y a un shift dans ton corps. Ils l'ont prévu pour te faire du mal. Mais Dieu l'a transformé. Ma kariba sokoto. Ça, c'est trop puissant. Genèse 50, verset 20. On a prévu qu'on te renvoie. Que ton business ne marche pas. Le Seigneur le transforme. Le Seigneur transforme. Ande kase krasha. Sans qu'il y en a, vous entendez parler en langue chez vous là-bas jusqu'à. Oh, vous venez de recevoir un dépôt énergétique. Un dépôt énergétique, une puissance surnaturelle. Makari babosate. Non, non, tu ne peux même pas avoir honte de Jésus. Parce que Jésus vient avec la puissance. Ceux qui ont honte de Jésus, c'est qu'ils prennent le Jésus pauvre. Oh Jésus, dans ta pauvreté, nous allons triompher. Non. Tu ne peux rien accomplir dans ce monde si tu n'as pas le backup spirituel et si tu n'as pas l'argent derrière.
Donc la bénédiction que Dieu vous donne, c'est la bénédiction pour vous enrichir. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi du Seigneur Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance. La puissance pour acquérir. Vous ne connaissez pas la Bible? Vous laissez les pasteurs bien vous endormir avec les choses. Je vous fortifie. Allez vendre. Allez vendre. On doit vendre ce soir. Je vous ai déjà dit. Oui, vous avez déjà dit. On n'est pas pauvre. On doit acheter même 3 de tes produits aujourd'hui. 3 de tes produits de 500 000. Tu vas faire un chiffre d'affaires même de 5 000 euros ce mois. Ou cette semaine. Au numéro, plus 237. Je ne pense pas aux JO. Les JO vont me donner quoi, mamie? JO me donne, ça me donne l'argent. Ça ne me donne pas l'argent. Je ne parle pas de ce qui ne me concerne pas. C'est comme ça que je suis. Je suis sélectif dans mes pensées. JO ne paye pas le loyer dans ma tête. Les juifs vont m'inviter, j'aurai quelque chose à dire dessus. Ok? Thank you. Donc, je vous libère de tout ce que l'ennemi a déposé pour vous distraire, pour vous détourner, pour vous dérouter. Voilà. Le numéro de téléphone pour les offrandes, c'est le 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. Je cherche, là j'ai mon laptop, 237. Je cherche mon power bank. 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. Ah, je suis dans la joie. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de l'agneau. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de l'agneau, mon sauveur. Voilà, je vous fortifie. Le PayPal, c'est Aurélie Michel. Donc A-U-R-E-L-I-E. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E. 2017@gmail.com. Donc Aurélie Michel, A-U-R-E-L-I-E. M-I-C-H-E-L-L-E. 2017@gmail.com. Voilà. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaîtront, connaîtront. Voilà. Je pense que c'est ça. Soyez fort. Bonne soirée. Ok, bye. Je suis fort. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les paroles de la chanson. Hein. C'est pour ça que tu n'as bien pas continué, moi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Recevez la force, recevez la force, recevez la force, recevez la force, recevez la force. Je vous charge, je vous pompe, je vous pompe, je vous pompe, je vous pompe. Je déclare la force sur vous, je déclare la force sur vous, je déclare la force sur vous, je déclare la force sur vous. Moi, je suis couché au lit, je suis couché au sol aujourd'hui sur le direct. Bye. Vous allez voir les choses dans le rêve cette nuit-ci. Aïe, ah, yeah. Vous allez voir. On va vous montrer les choses qui sortent de votre corps. On va venir vous donner l'argent. Les gens qui arrivent pour votre argent, là, ils vont venir, ils vont vous donner. Ils vont vous restaurer votre argent. Donc, les lavages du mois, le mois de juillet arrive. Donc, les lavages sont prévus. Donc, ceux qui doivent payer leur lavage du mois, vous payez. Ceux qui doivent payer lavage beauté, lavage mariage, lavage âme-sœur, pour ceux qui veulent rencontrer l'âme-sœur. Je pense que c'est tout. Hein. Oui, lavage à distance, ça veut dire que je travaille sur vous à distance, quoi. Oui. Yolande, bye bye.